La programmation, créer des logiciels, créer des sites Internet, créer une intelligence artificielle, créer un système de pilotage autonome sur une voiture ou même sur une fusée SpaceX, tout cela vous paraît peut-être hors de portée, mais vous êtes capable de beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. Et la première étape est déjà de se laisser une chance et y aller tout doucement. Premièrement, la programmation fonctionne comme toutes les langues du monde, à travers des langages structurés avec des règles de grammaire et d'orthographe, la syntaxe, et quelques règles de formatage pour bien faire en sorte que notre interlocuteur, ou dans le cas de la programmation, notre machine nous comprenne. Jusque-là, ça va. Oui, monsieur Merci de ton enthousiasme. Donc, à partir de là, nous devons commencer à se demander ce que je veux créer. Qu'est-ce que ça doit faire? Compter jusqu'à 1000? Donc, j'initialise un compteur à 1 ou 0 en fonction de mon besoin. Si je compte de 1 jusqu'à 1000 ou de 0 jusqu'à 1000, donc 1000 étapes ou 1001 étapes, chaque fois que je change de chiffre, J'augmente mon compteur de 1 ou 2 ou 5, tout dépendamment du bon que je veux faire en comptant, comme en mathématiques à l'école primaire. Et j'arrêterai de compter une fois rendu à 1000. Voilà en français. OK, OK. On te suit encore. Mais c'est pas de la programmation, ça. On y arrive. Les étapes pour le faire en algorithmie complexifient un peu le principe, mais légèrement. Donc, reprenons la même logique, mais prononcée différemment. Pour un compteur égal à 0, et tant que le compteur est plus petit que 1000, en faisant des bons de 1, faire une tâche. Est-ce que c'est toujours compréhensible? Moi, On dirait que tu parles en parabole, mais bon, ça reste logique. Continue voir, tu m'intrigues. Donc, en JavaScript, for variable compteur égal 0. Compteur plus petit que 1000, compteur égal à compteur plus 1, faire tâche. Ou en C, C ⁇ Java ou C-Sharp, for, int pour entier, compteur est égal à 0, compteur plus petit que 1000, compteur est égal à compteur plus 1, faire tâche. En Python, for, compteur, in range, qui veut dire dans la plage de... Avec comme paramètre le 0, le 1000 et le 1, faire tâche. Est-ce que vous trouvez que c'est très différent? Bon, ils utilisent tous for. J'imagine que ça vient de l'anglais pour. Ensuite, on retrouve compteur égal 0. Jusque-là, ça va. Ensuite, on retrouve compteur plus petit 1000. Là encore, ça va. Ensuite, on voit compteur est égal au compteur plus 1. En bref, il fait des bons de 1. Donc, si on avait voulu faire des bons de 2, on aurait fait compteur égal compteur plus 2, c'est ça? Exactement. OK. Bon, pour Python, ça se corse un peu. Pourquoi range? J'imagine que le premier chiffre dans range veut dire que le compteur commence par 0. Deuxième pour dire qu'il finit à 1000, et le troisième qu'il compte par bon de 1. Exactement. Ce sont ce qu'on appelle des paramètres de fonction, mais nous y reviendrons. Pour un œil qui n'est pas habitué à voir du code pour la première fois, peut-être très perturbant. Mais en réalité, tout ceci respecte un langage universel. La logique. Bien entendu, il y a des langages de programmation beaucoup plus simples que d'autres, mais en même temps, la simplicité peut impliquer qu'il sera plus difficile à lire pour les non-initiés. Cela peut aussi vouloir dire que ce langage aura plus ou moins de flexibilité que les autres langages. Ensuite vient la performance de différents langages, leur utilité, etc. Mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Nous avons vu dans cette vidéo parmi tant d'autres. Et là, on l'a vu en langage courant, en algorithmie et dans différents langages de programmation. Mais avant d'approfondir cette instruction, nous devons commencer dès le début. Comment fonctionne réellement une application La mémoire, les instructions au processeur, l'affichage, etc. Donc, nous débouterons tout ceci lors du prochain vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou que ce soit une petite flamme, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Partagez-la un maximum avec les gens qui pourraient être intéressés et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Bonne journée!